Compositeur est le film choisi pour l'ouverture du Festival du film de Beijing 2019. Ce film raconte l'histoire de Xian Xinghai, compositeur de l'hymne national chinois, et ses amitiés avec les musiciens kazakhs durant la lutte contre le fascisme. Il a fait aussi partie de la sélection finale du prix Tiantan. Lors de la conférence de presse, les organisateurs ont indiqué avoir reçu 775 films de 85 pays et régions de toutes catégories et genres. Finalement, 12 films internationaux et 3 films chinois sont sélectionnés. Parmi ces films, l'on trouve des productions récentes de réalisateurs renommés, mais aussi de plus jeunes réalisateurs, dont Guo Fan, avec son très connu film de science-fiction Terre errante, appelé en anglais The Wandering Earth. La liste des membres du jury international a suscité beaucoup d'intérêt. Comme à chaque année, les organisateurs invitent des grands noms de l'industrie du film à l'échelle mondiale. Cette année, Beijing reçoit Rob Minkoff, réalisateur du Roi Lion, en tant que président du jury. Mis à part les films en compétition, 500 films seront en projection dans 30 salles de cinéma de Beijing. Lors des premières réservations en ligne, le box-office a dépassé les 2 millions de yuan en l'espace d'une minute. À travers cette conférence de presse, nous avons constaté que la dimension internationale du festival est mise en valeur. À quelques jours de ce rendez-vous annuel, les cinéphiles sont déjà impatients de voir les meilleurs films du monde ainsi que les stars qui viendront marcher sur le tapis rouge. Zhou Nan, CGTN français, Beijing.